Et il y a un point décisif dans l'aventure, c'est la rencontre avec un jeune orpailleur qui est de passage au village. Et là, ça se fait vraiment comme dans les films. On est un peu comme de touristes, on est en train de grignoter un truc, je crois une assiette de riz avec des haricots noirs. Et là, on voit qu'il sort de la boutique un jeune homme qui a des bottes en caoutchouc qui sont couvertes de boue. Et moi, je fais pas le lien tout de suite, mais Shane, qui a l'habitude, fait le lien. Et tout de suite, il lui dit, toi, t'es orpailleur, tu cherches de l'or et ça se passe comment et tu travailles où? Et c'est ce jeune homme, en fait, qui va faire, sans le vouloir, basculer vraiment toute mon aventure dans ce cauchemar, puisqu'il nous parle de cette fameuse montagne, Maroudi, où se trouve une mine clandestine. Bonjour et bienvenue dans la saison 6 de Storylifique. Je suis Anne B et je suis très heureuse de replonger avec toi pour de nouvelles aventures 100% outdoor. Je peux déjà te dire que cet automne, on va plonger justement très profond dans les entrailles de la Terre, on va vivre le Vendée Globe avec son dernier vainqueur et on va aussi poser nos sacs dans une station antarctique. Mon but reste cette saison encore de réveiller ton envie de vivre tes rêves et te filer les tuyaux de ceux qui réalisent leurs rêves les plus fous pour que tu leur piques leurs astuces. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation car ici, on plante des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, le lien est dans les notes, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Un grand merci d'avance. Toutes les explications sont sur storylifique.com. Comment introduire ce premier épisode de la saison sans spoiler? Le mieux est sans doute de laisser Maël Bazayak te raconter son histoire. Quand il part sac au dos chercher de l'or en Amazonie avec son beau-frère, issu d'un des peuples de cette forêt aussi légendaire que bien réelle, il croit réaliser ses rêves d'aventure. Mais sur place, l'aventure prend très vite une toute autre tournure. On va parler de filons, de fièvre de l'or, d'une réalité complexe, d'une aventure intérieure qui ne laisse pas indemne, mais plus humain. Un petit mot avant de plonger dans l'épisode pour te parler d'une autre très bonne idée de mon partenaire Ice Adventure, le service Care and Repair. En français, Care and Repair. Je t'ai déjà parlé de location, parlons maintenant de ton équipement. Tu as investi dans le matériel, les chaussures et les vêtements techniques qui te conviennent. Ice Adventure te propose de prolonger leur durée de vie en prenant soin. Les avantages, ils sont nombreux. Ton matériel reste 100% fiable pour toutes tes sorties, tu évites les dépenses inutiles, tu réduis ton impact environnemental et les déchets en évitant de le remplacer fréquemment. Tu trouveras de nombreux conseils pour l'entretien de ton équipement sur leur page Care and Repair, lien dans les notes. Et si tu as besoin d'aide supplémentaire, apporte ton équipement en magasin, Ice Adventure nettoie, répare et réimperméabilise ton équipement pour toi. Tu veux prendre soin de la planète? Prends soin de ton matériel. Ice Adventure, adventure is everywhere. Bonjour Maël Bazayak. Bonjour. On va commencer comme toujours par te présenter et je vais te en laisser le soin. C'était un très chouette parcours, déjà fort international, depuis les études, depuis assez jeune, en passant par tes premiers jobs et par tes dernières expériences. Alors bonjour Anne B. Donc comme tu l'as dit, Maël Bazayak, je suis actuellement chef de pôle partenariats internationaux à la Sorbonne. Donc je m'occupe de toutes les relations internationales de la Sorbonne à Paris. J'ai un parcours qui est très international. J'ai fait toutes mes études quasiment à l'étranger et j'ai quasiment toutes mes expériences professionnelles aussi à l'étranger avant de rejoindre Paris là il y a quelques années. Expérience professionnelle qui a été entrecoupée aussi de beaucoup de voyages qui alimentent ma deuxième passion, à savoir l'écriture. Et donc là, voilà, c'est l'objectif de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler de ce premier ouvrage et il y en Ah a oui. d'autres qui sont en préparation. Ah voilà, là tu réponds déjà à ma question finale, super. Mais donc ton parcours, tu passes un petit peu vite dessus parce que tu as été donc à Montréal, j'ai vu que tu étais passé par Rome aussi pour les études. Donc tu avais un père qui était dans un job qui vous faisait bouger beaucoup ou c'est ta décision à toi de bouger comme ça? Non, c'est ma décision à moi. Je suis parti au lycée, dans un lycée international. J'ai eu la chance d'avoir une bourse complète qui m'a permis de financer des études dans un lycée international à Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. Et après, je me suis toujours débrouillé pour poursuivre mes études à l'étranger en les finançant avec des boulots d'été et puis des prêts étudiants. Mais il faut que je signale que je viens d'une famille où l'international est très présent et donc le virus était déjà en moi, je pense. Assez tôt.
Ah ben voilà, les chiens ne font pas des chats. Et donc, ben la première question, c'est justement celle de ma petite fille. Donc, elle participe toujours au podcast parce que je trouve que c'est une chouette manière de les intéresser au monde. Alors, ici, la question de Valentine, je crois que c'est la première. Attends, je vais te la faire écouter, elle est toute simple. Pourquoi il est écrit Batman sur ton livre ? Alors, elle a plus l'habitude de Batman. C'est quoi Batman ? Ça va justement être tout le sujet de ton livre, donc n'en dis pas trop maintenant, parce qu'on va développer par la suite. Batman, c'est... ça ne nous aura pas échappé, peut-être à ta fille, je ne sais pas, mais Batman, ça vient de l'anglais, hein, qui veut dire l'homme au sac. Et en fait, comme on le voit sur la couverture de mon roman, c'est le nom qu'on donne dans cette mine clandestine aux orpailleurs qui sont au plus bas de l'échelle. C'est ceux qui travaillent sans matériel. Et pour récupérer l'or, ils sont obligés de remplir des sacs en polypropylène, comme ça. C'est ces espèces de gros sacs qu'on trouve dans le commerce, en gros, de riz, par exemple, les gros sacs de riz de plusieurs dizaines de kilos. Ben, c'est la même chose. Ils les remplissent de terre et ils les descendent jusqu'au broyeur dans la vallée pour en extraire l'or. Et vu qu'ils n'ont que ça quasiment comme matériel, avec évidemment bon, quelques marteaux et des burins, on les appelle les bagmen parce que c'est tout ce qu'ils possèdent en fait pour travailler. Et ces sacs peuvent être assez lourds, hein. Je crois que c'est jusqu'à 60 kilos, c'est ça, qu'ils peuvent porter comme ça sur le dos. C'est ça, un sac plein, c'est à peu près 60 kilos, ouais. Porté à dos d'homme. Ouais. Oui, comme tu l'as fait aussi d'ailleurs, on va en parler. Alors tout a commencé dans un salon à Paris, dans un salon familial, où tu discutais, je crois que c'était la période de Noël, non ? Où la famille était réunie et tu discutais avec ton beau-frère, qui est d'origine du Guyana. Tu vas nous expliquer où c'est et quelle était cette discussion qui a quand même solidement, peut-être pas changé, mais en tout cas secoué sérieusement ta vie. Ouais, j'emploie assez facilement le mot bouleversé. Elle a bouleversé ma vie, après toute proportion gardée évidemment. C'est une discussion qui a eu lieu en plus dans ma ville natale. Hein. C'était un repas de famille. Moi, je suis de Marseille. Je suis expatrié à Paris, on va dire en ce moment, pour des raisons professionnelles. Mais c'est important parce que, en fait, moi, j'ai rencontré mon beau-frère, Shane, avec qui je suis parti dans cette aventure assez tard. Finalement, c'est ma sœur qui s'est mariée avec Shane, qui est, pour le resituer, donc un Amérindien qui vient donc du Guyana, qui est un pays limitrophe du Venezuela et du Suriname. Et lui, il vient d'une tribu amérindienne qui s'appelle les Wapishana. Alors, pour devancer toutes les questions, il se trouve que ma sœur aussi est une aventurière. même avant moi, puisque lorsque moi, je travaillais en Afrique du Nord, elle était partie en Amazonie et il se trouve que Shane était son guide. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés de fil en aiguille. Il l'a rejoint en France, ils se sont mariés et ils se sont installés à côté de Marseille. Et donc moi, à l'époque, j'étais au Maroc, donc je ne connaissais pas Shane. Je ne connaissais pas mon beau-frère, seulement de nom et un peu de réputation lorsque je discutais un peu avec ma sœur et avec les membres de ma famille. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai pu enfin rentrer un peu plus régulièrement à Marseille. Et c'est à l'occasion d'un retour à Marseille, justement pour les fêtes de Noël, que j'ai pu rester attablé longtemps avec Shane en face de moi et on a pu faire connaissance. Et c'est là qu'en effet tout a commencé, puisqu'il y avait un terreau fertile. Je pense que chez moi, il y avait une envie, il y avait quelque chose qui m'a permis d'être réceptif en tout cas à ce que j'ai pu entendre. Et en gros, il m'a raconté de façon très détachée et avec un flegme un peu étonnant pour moi, des aventures toutes les plus extraordinaires les unes que les autres de sa vie antérieure en fait en Amazonie et dans les plaines du Rupununi à Eycheltown qui est son village natal dans le sud du Guyana. C'est vraiment à la lisière amazonienne à la frontière avec le Brésil en fait. Et il me raconte tout ça à Noël quoi. Ah ouais, de quoi faire briller les yeux, effectivement. Et là-dedans, il parle comme ça qu'il va repartir un peu au pays pour régler deux, trois choses et pour travailler un peu avec son père dans quelque chose qui aussi n'a rien de commun. C'est exactement ça. Ce n'est pas la première chose dont il parle. La façon dont ça s'est passé, c'est que de façon assez abrupte, il prend un peu son auditoire de cours. On était à table en fin de repas et il nous dit qu'il doit retourner au Guyana pour une période indéterminée pour régler des affaires sur place. C'est pas très clair et
Bon, il se trouve qu'après, en le faisant parler, il nous explique qu'en fait, en tant qu'Amérindien, en tant qu'Wapishana, il a droit à un terrain équivalent d'un hectare en terre Wapishana, qui sont des terres protégées. Voilà. Évidemment, tout ça se fait en présentiel, et donc il est obligé d'y retourner. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous dit, en fait, voilà, j'aimerais y retourner pour ça, et j'aimerais y retourner pour monter un projet d'écolodge. Moi, je veux rester au contact de la nature, je veux faire découvrir mon pays à des touristes qui seraient avides d'un tourisme un peu alternatif, respectueux de l'environnement, etc. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Il se trouve que mon père est orpailleur, ça fait 30, 40 ans qu'il fait ça, et un peu dans une espèce d'idéalisme propre à Shane. Il ne nous laisse pas intervenir, il nous dit d'ailleurs, j'ai déjà acheté un détecteur à métaux, comme ceux qu'on trouve les dimanches au bras des gens qui vont chercher en fait les gourmettes et les objets perdus. Et il nous dit, c'est sûr qu'avec ça, je vais trouver des veines, des filons, enfin, c'est sûr que ça va m'aider, ça va être un avantage concurrentiel certain. Et donc, je vais m'embarquer avec mon père dans une dernière expédition aurifère, avant que mon père soit trop vieux, avant que moi je m'installe vraiment pour de bon en France, en espérant vraiment trouver un peu d'or qui pourra m'aider à lancer mon projet, quoi. Donc ça fait beaucoup d'informations d'un coup, beaucoup d'informations auxquelles on n'est pas habitué. Moi, à cette époque, je travaillais à Paris, j'étais dans le milieu universitaire, je m'occupais déjà des relations internationales pour une université. Et donc clairement, on a deux vies qui sont diamétralement opposées. Et en effet, ça se cite chez moi. C'est pas de la curiosité, c'est une espèce de fièvre. Moi, je suis complètement happé par son discours et je vois là en fait plusieurs choses. Je vois à la fois en face de moi l'ambassadeur d'un peuple qui est en voie d'extinction, d'un mode de vie qui est en voie d'extinction. Et je vois aussi en face de moi quelqu'un qui mène une vie. J'avais besoin à cette époque d'une effraction du romanesque dans ma vie au contour tracé. C'est-à-dire, je m'ennuyais un peu à Paris, je voyageais beaucoup, mais toujours dans le cadre très policé, voilà, des voyages professionnels, hôtels, réunions, etc. Et à l'époque, je lisais beaucoup de romans d'aventure. Et là, sans rien demander, j'ai en face de moi quelqu'un qui me parle d'un quotidien aventurier, mais récurrent. Et pour lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Il nous dit ça comme ça. Il dit oui. Voilà, on nous parle de chute de chevaux, de règlement de compte à la machette, de frères, de cousins. Il y a un cousin qui est mort dévoré par un jaguar, etc. Et pour lui, tout ça, c'est normal, quoi. Donc, il n'en fait même pas des caisses. Il nous raconte ça comme ça, autour de la table, sans se douter que chez moi, en fait, ça avait un impact, de dingue. Tu aurais préféré aller mourir là-bas, un jaguar, machette, ou en fait tu comptes en revenir vivant? Non, ça va. Là, je l'écoutais. Là, pour l'instant, et pour moi, l'idée de la compagnie n'avait pas encore germé. Là, pour l'instant, j'étais juste en phase d'écoute et j'étais un peu ébahi. Ouais. Ouais, clairement. Clairement, ouais, c'est tout ce qu'on lit dans les livres, justement. On se dit quoi? Et lui, il le vit, ça, vraiment? C'est vrai que ça doit être. J'aurais bien voulu être là aussi. Et alors, comment ça t'en est venu à se dire, ben voilà, non, finalement, je plaque tout, je vais avec lui? Encore une fois, il y a deux grandes raisons. La première, elle est très personnelle, c'est que mes parents se sont rencontrés en Amazonie en faisant le tour d'Amérique latine. Donc moi, j'ai grandi avec un fantasme de l'Amazonie. J'ai grandi avec les photos de mes parents qui ont. Il faut s'imaginer, c'était. Moi, j'avais des photos des fin des années 70. Ils ont vécu plusieurs semaines dans des tribus amazoniennes. Et donc, en tant qu'enfant, nos parents, quand ils nous racontaient les histoires d'Indiens avec des arcs, des flèches, un mode de vie complètement différent, etc., moi, tout ça, ça m'a travaillé, ça m'a forgé. Donc, ça, c'est une première raison, c'est que lui vient d'une tribu amérindienne installée près de l'Amazonie. Donc, moi, quand j'entends ça, je le vois comme une porte d'entrée pour l'Amazonie. Je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir toucher du doigt tous ces fantasmes, tout ce que j'ai pu entendre depuis que je suis gamin. Parce que j'étais pas encore allé en Amazonie à cette époque. Et la deuxième raison, c'est que, de façon beaucoup plus prosaïque, hein, c'est que, comme je l'ai dit, moi, je m'ennuyais vraiment à Paris. Pour replacer dans le contexte, moi, je sortais de 5 ans en poste au Maroc, où, grâce à une directrice formidable, j'avais monté carrément une antenne pour l'Agence universitaire de la francophonie. Et donc, ma vie était vraiment faite de voyages. Je voyageais beaucoup au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique subsaharienne francophone, dans le cadre de mon boulot. Donc, j'avais une vie qui était relativement aventureuse. Je dis relativement parce que c'est un peu dans le cadre balisé du travail. Et même mon quotidien, en fait, il était au Maroc. Donc, le retour à Paris était relativement difficile pour moi. Aller au bureau tous les jours, les hivers, les horaires à respecter, Le voilà, le sourire mode des de vie. Parisiens.
Le sou, voilà, exactement. La Dolce Vita parisienne qu'on connaît bien. Et donc, moi, j'avais compensé ça, en fait, en lisant vraiment beaucoup, beaucoup de romans d'aventure et en m'investissant un peu vraiment au niveau de mes rêves personnels, en fait. J'avais beaucoup de doutes à cette époque. Je me demandais vraiment si j'avais fait le bon choix, si j'étais à la hauteur de la vie que je voulais, si, voilà. Donc, je suis arrivé à ce repas de Noël avec tous ces doutes, toutes ces craintes sur mes choix, sur ma vie et sur cette envie d'ailleurs. Voilà, donc les deux raisons qui ont fait que, en fait, sans le savoir, lorsqu'il me parle de tout ça, chez moi, ça coche des cases. À chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est exactement. En gros, ce qui se passe, c'est que lui, quand il me parle de ses aventures, moi, ça fait 1 an et demi que je m'enchaînais tous les romans d'aventure. Romain Gary, Sisia Zike, et voilà, que je fantasmais sur tout ça, quoi. Donc la graine est tombée dans un terreau qui était déjà bien prêt pour l'accueillir. Alors, ben forcément, on s'en doute bien, tu décides de partir avec lui. Et alors, tu arrives dans un tout petit aéroport. Et on t'emmène au village. C'est déjà toute une aventure d'arriver jusque-là. Et le village en lui-même n'a pas grand-chose pour te décevoir par rapport au fantasme que tu avais depuis toujours sur l'Amazonie, je pense. Alors oui et non. D'accord, explique-moi, ça m'intéresse. Y a une partie qui m'a pas déçu. En effet, on a vraiment le sentiment d'être au fin fond d'une contrée inexplorée. Je veux dire, ça pour le coup, j'ai eu ce que je cherchais, un dépaysement complet. Donc pour rappel, on est à l'extrême sud du Guyana, vraiment à la frontière brésilienne, à 2, 3 heures de l'Amazonie. Donc dans une tribu amérindienne, Wapichana. Mais là où je suis un peu déçu, et c'est ça qui est intéressant aussi dans mon récit, en fait, j'espère, c'est que moi j'avais gardé en tête une image des années 70-80 de l'Amazonie de mes parents. Pas trop de Voilà. plastique, quoi. Donc moi j'étais, pour parler franchement, moi j'arrivais avec les clichés, les arcs, les flèches, les cocards, un pagne, et puis c'était comme ça dans les années 70. Moi je pars en 2019, et en fait c'est un bouleversement complet, puisque alors, il y a plein d'anecdotes, mais voilà, je rencontre des jeunes qui finalement... ont de quoi s'offrir un générateur électrique, par exemple, et ils s'en servent pour jouer à la PlayStation. Et en fait, on va se retrouver quelques soirs à jouer à FIFA et à se faire des classicos, etc., en pleine tribu amazonienne. Enfin, donc vraiment, ça, c'est quand même un premier désenchantement au regard, on va dire, des fantasmes et des clichés que j'avais embarqués avec moi. Hein. Mais c'est ça que j'allais chercher aussi. Je pense, je voulais confronter, je voulais mettre à l'épreuve de la réalité aussi certains fantasmes, certains idéaux, quoi. Il y avait des illusions que j'avais embarquées avec moi, je le Ouais. savais bien. Mais il y a aussi des choses qui sont restées hyper authentiques aussi quand on passe au-delà de cette déception par rapport aux idées préconçues qu'on avait. Il reste des choses très très belles. Enfin, moi, j'ai admiré qu'on peut passer une journée dans une espèce de hutte hall, salle du village, où on décide tout ensemble, quoi, tout ce qui va se passer, tous les gens qui ont des demandes sur des terrains, justement, ou sur d'autres choses, sur des petits litiges qu'on règle ensemble avec les anciens qu'on écoute, tout le monde peut prendre la parole et puis. Ah, c'est assez chouette, hein. Ça fait envie encore, je trouve. Alors, encore une fois, il faut faire attention à vraiment pas essentialiser mon discours et les Amérindiens. Mais en effet, heureusement, en fait, c'est une contradiction qui est permanente. Donc, à la fois, il y a un désenchantement et des illusions vis-à-vis des fantasmes que j'avais moi-même créés embarqué avec moi, mais heureusement, comme tu le soulignes, il y a aussi plein de moments qui, on va dire, rencontrent un peu mes fantasmes avec, en effet, ce conseil du village où il y a une démocratie directe, les paysages, les exotiques, même les anciens du village qui, eux, parlent pas du tout anglais. En fait, c'est un pays où on parle anglais, hein. C'est un anglais un peu créolisé. Mais en gros, moi, je peux me faire comprendre et je comprends relativement bien ce qui se dit. Mais les anciens, eux, parlent que Wapishana. Et là, pour le coup, eux ont gardé encore vraiment cette image un peu très authentique, etc. Et donc,
Donc voilà, les deux cohabitent. En fait, c'est tout simple, hein, c'est tout bête ce qu'on dit. C'est simplement l'appréhension du progrès et du développement économique dans une région qui est encore très reculée. Donc les deux cohabitent. Par exemple, on va passer des journées entières à aller se baigner dans des rivières, etc., comme je pouvais l'avoir fantasmé dans les récits, par exemple, que mon père m'avait rapporté mes parents ou dans les romans d'aventure. Bon, la seule différence, c'est que là, on va pas y aller à pied, mais on va y aller en moto, quoi. J'aime beaucoup les histoires de fantasmes des autres. Petite histoire, mon mémoire de fin d'études en littérature anglaise, j'avais fait sur Robinson Crusoe, et justement avec Vendredi, qui est vu soit idéalisé, soit démonisé, mais rarement vu tel qu'il est, tout simplement, comme un homme, comme on l'est tous, quoi. C'est vrai que ça m'intéresse toujours de voir un petit peu comment on va dans une extrême ou l'autre, mais rarement dans la vraie rencontre. Comme tous les gens disent, ouais, mais en Asie, ils sont sous-souriants. J'étais au Cambodge, le pays aux mille sourires. J'ai dit, oui, c'était quand même un des plus gros massacres de l'humanité avec les Khmers rouges, hein, les chemises. Enfin, je veux dire, c'était pas. Les gens ne sont pas ni meilleurs ni pires ailleurs, je pense. Donc, je comprends le fait. C'est que c'est gai quand même. Enfin, c'est chouette de voir les autres manières d'être au monde, les autres manières d'agir en société, hein, comme il pouvait y avoir de ce côté-là. Et le fait qu'on ait refusé aussi, je crois, à Chêne, dans un premier temps, en tout cas, l'exploitation d'un écolodge parce qu'ils avaient peur, justement, de perdre leur authenticité. Et toutes ces contradictions où, effectivement, Chêne veut créer un écolodge, mais d'un autre côté, va aller joyeusement saccager une montagne pour trouver quelques grammes d'or insignifiants. C'est super intéressant. Et on est tous comme ça, en fait. On le voit mieux quand c'est ailleurs. Voilà, je pense qu'il y a une prise de distance. On se dit, oh mon Dieu, mais je crois que tous les jours, aujourd'hui, on est tous aussi fort en train de détruire en disant, mais il faut arrêter de saccager la nature. Enfin, voilà, on a tous nos contradictions. Donc, il n'y a pas de jugement, en tout cas, pas chez moi. De toute façon, cette notion de fantasme et de contradiction, donc ces deux notions, c'est bien qu'on les ait en tête parce qu'elles sous-tendent toute mon aventure, en fait. Elles sont là constamment tout au long de mon aventure qui va prendre des formes différentes. Mais justement, je pense que mon arrivée au village d'Eshelltown est un bon. C'est une prémisse, en fait, qui est assez révélatrice de ce qui va m'attendre, où justement, voilà, tu parlais de contradictions, de fantasmes, de désillusions, etc. Et en fait, c'est un peu ce dont je voulais traiter aussi dans la retranscription de cette aventure en écrivant, où je parle beaucoup justement de nuances, de suspendre son jugement et de prendre les choses comme elles sont, en essayant de justement de prendre du recul sur nos propres fantasmes, nos propres biais cognitifs, dont j'ai été le premier. Moi, je ne me cache pas du tout derrière ça. Justement, je le dis d'entrée de jeu, je suis arrivé, moi, avec un tas de clichés, j'avais des attentes. Alors oui, j'ai dormi dans des hamacs, ça c'est vrai. Mais c'était pas du tout. Enfin, les arcs et les flèches, c'est fini depuis longtemps, quoi. Je veux dire, même lorsque je leur en parlais, ils me disaient, non, mais tu débarques, en fait, ça fait 40 ans que tu Oui, fais tout ça. ce fut vrai, oui. Oui, voilà. Moi, il y a un truc qui ça m'a vraiment fait penser quand j'ai lu ton livre. Ben voilà, comme je te l'ai pas caché, j'ai fait plutôt la littérature, moi, anglaise donc. Et j'avais lu Joseph Ron Conrad, The Heart of Darkness, je sais pas comment c'est traduit, si c'est le cœur de la noirceur, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, qui a d'ailleurs été le livre qui a été repris pour faire Apocalypse Now, qui est une transcription hyper intéressante. Et il y avait de ça, je trouve, dans ce que tu présentais, où ça commençait par une gentille aventure en terre inconnue et qui se termine dans une espèce de folie qui est bien rendue dans l'Apocalypse d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, c'est pas une guerre, quoique. Mais ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'a interpellée dans ton bouquin. Et voilà, on va justement un petit peu voir ça de plus près maintenant, puisque voilà, dis-moi un peu comment s'est préparé cet expé. D'abord, il y a cette attente interminable et un peu, on ne sait vraiment pas sur quel pied danser, qui est pas du tout à l'européenne, hein, qui est très normale là-bas, qui est déjà une belle mise en condition, je trouvais. En fait, l'attente est prépondérante dans toute cette aventure parce que l'attente a lieu avant que je parte. On retrouve l'attente quand je suis au village, avant que l'aventure ne prenne cette tournure, on va dire, un peu cauchemardesque. Et même plus tard, on verra que l'attente, elle est toujours présente. Et c'est un élément à prendre en compte, c'est un élément à part entière, en fait, qu'il faut prendre en compte parce que. Au-delà de ça, nous, les Occidentaux, en fait, c'est vrai qu'on a de moins en moins l'habitude d'attendre, enfin, surtout les Parisiens, etc. Enfin, moi, quand je travaille,
il n'y a pas de temps mort, etc. Donc pour revenir à l'aventure, au début, ça ne se passe pas comme prévu, puisque dans les grandes lignes, l'idée, c'était de rejoindre Shane dans son village natal, de retrouver son père et de partir en expédition avec un peu de matériel, des vivres, mais vraiment de façon très artisanale. On devait partir juste nous trois, partir explorer la jungle amazonienne et au passage, avec le détecteur à métaux de Shane, voir si on pouvait trouver un petit peu d'or, des endroits où creuser. Mais en fait, pour être très honnête, moi, cette histoire d'or, j'y crois pas hein, au début. Et je partais vraiment avec l'envie de découvrir l'Amazonie en me disant, mais c'est extraordinaire, je vais pouvoir découvrir l'Amazonie avec un guide. Son père, qui est orpailleur, donc qui va être, à mon avis, des soirs au coin du feu, il va me raconter des histoires de dingue. Et moi, à la base, j'y vais vraiment pour la nature, enfin pour l'Amazonie, pour découvrir la forêt. En plus, avec voilà, avec quelqu'un qui pourra me donner les codes et faire ça dans des bonnes conditions. Et en fait, évidemment, ça ne se passe pas du tout comme prévu, sinon il n'y a pas d'histoire. Et pour revenir à la tente, c'est que en effet, son père n'est pas dans le village de Shane. Il est à Lethem, qui est une petite ville qui est à quelques heures du village. Et en fait, évidemment, il est injoignable. Là-bas, il y a pas de réseau. Enfin, c'est très très compliqué de joindre les gens. Et en fait, sans lui, on peut rien faire, parce que ni Shane ni moi, on connaît rien à l'or. On sait pas où aller. Enfin voilà, le pro, c'est vraiment son père. Et donc va s'installer comme ça les premiers jours une espèce d'attente à la fois fébrile de ma part parce que je sais pas ce qu'on attend, je sais pas ce qui se trame. Il faut dire que ton beau-frère est très taiseux aussi. C'est pas Ouais. ouais, la communication, c'est entre les lignes et les lignes sont peu nombreuses. C'est ça. Shane est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Les informations aussi sont pas les mêmes. Ça, j'en parle beaucoup parce que ça m'a vraiment frappé et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je veux dire, on est dans un choc culturel qui est énorme, hein. La façon de décliner une stratégie, la façon de s'exprimer, la façon de récolter des informations, etc., sont pas du tout les mêmes. Donc moi, là, j'arrive avec mon esprit très cartésien, j'arrive avec tout mon bagage. Voilà, on va dire européen, français, occidental. Et Donc l'habitude de prendre le 9h38 ou le 9h47, mais c'est ça, voilà, l'horaire, c'est l'horaire. On a dit qu'on faisait ça, ben on le fait. En fait, Shane, il n'a rien prévu du tout. Moi, j'y connais rien, mais bon, je me dis, on va chercher de l'or, il nous faut un minimum de matériel. Et on a l'impression qu'il découvre ça lorsque je lui pose la question. Je dis, mais est-ce que tu sais au moins où on va? Pas du tout. Est-ce que, voilà. Donc, il y a comme ça un fossé culturel qui est énorme, qui me rend à la fois très enthousiaste et qui correspond vraiment à ce que j'avais imaginé, etc. Et qui est à la fois aussi inconfortable. Hein. très pénible, très Ouais. inconfortable, puisque du coup, je ne sais jamais où me situer. J'ai l'impression de subir les choses. Je dois être dans le lâcher-prise total, ce qui n'est pas du tout dans ma nature. Voilà. Et pour revenir à cette histoire d'attente, l'attente, elle est double. Elle est à la fois fébrile parce que je la subis. J'ai pas de perspective. Je sais pas quand Rudy va enfin arriver, quand il va pouvoir nous aider, quand on va pouvoir se mettre en ordre de marche. Donc Rudy, c'est le père de Shane, hein, voilà. Rudy, c'est le père de Shane, oui, exactement. Et elle est à la fois très agréable parce que je suis du coup contraint de lâcher prise. Je me rends très très vite compte que ça sert à rien de lutter. Et donc on va profiter du village, de l'environnement, des mangues, des papayes, de la rivière qui est pas loin. On va faire des tours en moto, on va faire du cheval, et puis moi surtout, je vais découvrir enfin cette région du monde qui m'intéresse tant. Mais avec toujours cette incertitude constante, en fait. Je sais pas de quoi demain sera fait, je sais pas ce qu'on va faire l'heure d'après. Voilà, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de programme, quoi. Et ça, mine de rien, c'est assez déstabilisant. Hein. L'espoir, chaque fois qu'il y a une voiture qui arrive au village, on dit, ah, c'est peut-être lui. Ah non.
Enfin bon, ça va, il n'y en a pas 15 par jour non plus qui arrivent au village, mais ouais, c'est vrai que ça doit être très, 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 très perturbant. Mais je disais surtout en venant de Paris, quoi. Il y avait le marathon de Paris qui avait fait une super pub où on voyait tous des Parisiens qui couraient, un enfant à la main, ou ceci, ou cela, enfin, bref, dans tous les sens. Et puis après, il dit non, les Parisiens ne sont pas stressés, ils s'entraînent, et puis marathon de Paris. Je trouve ça génial. Mais alors, le contraste de passer de ça à l'autre côté, c'est vraiment top, quoi. C'est vrai que on pourrait pas faire mieux. Et donc, quand Rudy arrive enfin au village, quelle est ta première impression du gaillard? Parce que c'est un personnage, c'est vraiment un personnage, Rudy. Je suis content que tu m'en parles en ces termes, parce que en effet, le personnage central du roman, c'est pas le narrateur, c'est pas moi, c'est vraiment Rudy. Je pense qu'on s'en rend compte. En tout cas, dans la vraie vie, on s'en rend compte tout de suite. Donc Rudy, déjà, il arrive, il était auréolé de plein de mystères. Hein. Ça faisait, je sais pas moi, une dizaine de jours qu'on l'attendait. Tous les jours, on parle de Rudy, Rudy par-ci, Rudy par-là. C'est le père de Shane, donc lui, il essaye de le joindre, il essaye de... Et puis il me raconte un peu des histoires, etc. Donc il y a déjà tout un... Pareil, on parlait de fantasmes, on parlait d'attentes, on parlait de clichés. Bon, moi, Rudy, voilà, je sais pas à quoi il ressemble physiquement, mais... je sais que c'est un orpailleur, je sais qu'il est amérindien, je sais qu'il a la soixantaine. C'est le père de Shane qui est mon beau-frère, donc mine de rien, c'est quand même un peu la famille aussi, quoi. Et la première fois que je le vois, c'est la nuit. Il arrive enfin dans un pick-up sale. Il est défoncé, hein, voilà, il faut le dire. Ils se sont fait la route de Lethem jusqu'à Eshelltown, c'est à peu près 5 heures de route. En fumant pète sur pète, ils arrivent, ils font un boucan de dingue, ça met de la fumée partout, il y a de la musique à fond qui sort de la voiture, etc. Et là, je vois deux personnes qui descendent du pick-up. Il y a un grand black, il est gigantesque, en débardeur avec des chaînes, et c'est le conducteur, et c'est pas Rudy. Et côté passager, je vois descendre un petit bonhomme voilà, qui correspond à peu près à la description qu'on m'en a faite. Il a un petit bouc, il a une casquette, il a un débardeur aussi. Il est tout sec, il est très très sec. On dirait qu'il a que la peau sur les os. Il a un joint allumé aux lèvres. Ça, c'est important parce qu'en fait, je crois que je l'ai toujours vu avec soit un mégot, soit un joint à la bouche. D'où son surnom, Roach, le mégot. Mais en fait, il me surprend par la tranquillité qui se dégage de lui. C'est quelqu'un, ça fait un peu cliché de dire ça parce que ça fait très littéraire, mais on sent qu'il y a une sérénité qui se dégage de lui. Tu vois, la sérénité des gens qui ont vécu et qui n'ont rien à prouver, en fait. Il est très lent dans ses mouvements, il est très sûr de lui. Moi, je suis un peu impressionné. Alors, je lui serre la main, j'essaye de faire bonne impression parce que là, on va faire équipe dans une expédition d'orpaillage. Donc, je me dis, bon, bah, voilà, il faut que je lui montre que je suis costaud, que je ne vais pas me laisser abattre, etc. Et puis, en fait, lui, il n'en a rien à foutre. Il est complètement. Il est vraiment loin de tout ça. Juste, il a vraiment les yeux qui brillent. Bon, il est très foncé de peau. C'est la nuit, mais on voit, il a les yeux malicieux, en fait, et on sent que ça va vite, et on a l'impression, en fait, qu'il nous sonde du regard, et surtout, ça se voit tout de suite qu'il a beaucoup de vécu, en fait. On sent que c'est quelqu'un qui a vécu, qui a vraiment le cœur ennobli des douleurs, quoi, de la vie. C'est quelqu'un qui a une vie qui est clairement pas la mienne. Et voilà Il y la a une première intensité, impression que quoi. j'ai de lui. Ouais, très intense, très intense. Alors, tu pensais déjà que ton beau-frère était taiseux, mais c'est une pipelette à côté de son père. Ouais. Le père de Shane, donc Rudy, c'est une catastrophe. Si j'arrive à lui tirer deux phrases d'affilée, c'est un exploit. Donc, ouais. Donc ça rajoute encore au mystère. C'est quelqu'un du coup comme ça qui en plus ne parle pas et qui laisse les autres parler pour lui. Donc moi j'ai toute sa réputation, j'ai des histoires sur lui, etc. Et puis en fait quand je le vois, c'est un petit bonhomme qui est tout sale, qui voyage avec rien. Il a juste un sac à dos, il a un petit sac à dos, c'est tout. Mais il le laisse jamais, il est toujours avec son sac à dos. Et voilà, il a son mégot au coin des lèvres. Et ouais, il est très silencieux, c'est un taiseux.
Et là, donc, vous partez et on va enfin découvrir la fameuse. C'est pas du tout aller chercher avec le détecteur finalement entre les lianes et les hautes végétations, un peu d'or à gauche à droite. Tu vas découvrir un espèce d'enfer de terre rougeâtre, une espèce de trou béant, une saignée dans la forêt amazonienne. Et ça, c'était déjà la première énorme surprise. Hein. Oui. En effet, c'est le vrai tournant de l'aventure qui, jusqu'à présent, était, j'ai failli dire agréable, mais c'est vrai, ce n'était pas J'allais désagréable dire d'être, plaisant, ouais. voilà, plaisant, exactement. En deux mots, j'étais dans un village amérindien, on mangeait des fruits exotiques, on voulait un barbecue le soir, on se baladait la journée, on allait se baigner, on faisait de la moto, Shane m'expliquait ce... C'était une vraie déconnexion et c'était moi ce que j'aime quoi. C'était vraiment le dépaysement, les interactions interculturelles avec les vieux, les anciens du village, etc. Bon. Mais ça pouvait pas durer puisque à la base Shane était quand même venu pour chercher de l'or pour participer à une session avec son père. Et le plan initial, on se rend compte qu'il va pas se faire pour plusieurs raisons. Et on se retrouve, en fait, avant que Rudy n'arrive, on se retrouve quand même dans une impasse où on ne sait pas où aller. Rudy n'arrivant pas, on est un peu démunis, on n'a pas de matériel, on ne sait pas vraiment quoi faire. Et il y a un point décisif dans l'aventure, c'est la rencontre avec un jeune orpailleur qui est de passage au village. Et là, ça se fait vraiment comme dans les films. Alors nous, on est un peu comme deux touristes, on est en train de grignoter un truc, je crois, une assiette de riz avec des haricots noirs. À l'ombre, non loin de la boutique, de la seule petite boutique où on vend un peu de la quincaillerie, du sucre, des éléments de première nécessité. Et là, en sortant de la boutique, enfin, on voit qu'il sort de la boutique un jeune homme qui est habillé en débardeur, short et qui a des bottes en caoutchouc qui sont couvertes de boue. Moi, je ne fais pas le lien tout de suite, mais Shane, qui a l'habitude, fait le lien tout de suite. Lui, tout de suite, il me met la main sur l'avant-bras, il me dit, fais comprendre de me taire. Et il ne me dit même pas non, il ne me parle pas, il va le voir. Enfin, il lui dit de s'asseoir à côté de nous. Et tout de suite, il lui dit, toi, t'es orpailleur, tu cherches de l'or et ça se passe comment et tu travailles où? Et donc là, moi, je comprends. Enfin, dans ma tête, ça, c'est vraiment comme dans les films où je me dis, ah, d'accord, ok, les bottes, nanana, ça y est, lui, il a capté que c'est pas un gars du village, en fait. C'est un gars, déjà, qui n'est pas du coin. Et il y a des indices comme ça qui nous montrent que. Voilà. Et c'est ce jeune homme, en fait, qui va faire, sans le vouloir, basculer vraiment toute mon aventure dans ce cauchemar dont on va parler, puisqu'il nous parle de cette fameuse montagne, Maroudi, qui est à 3 heures en moto du village et qui est d'une montagne qui est assez riche en or où se trouve une mine clandestine donc qui est exploitée par à la fois donc les fameux bagman des orpailleurs qui sont vraiment au bas de l'échelle sociale qui n'ont rien et certains propriétaires de camions, de pelleteuses, de motopompes, etc. Et donc il nous explique que lui travaille aux motopompes. C'est une espèce de jet ultra puissant qui permet de d'éroder les parois et d'en extraire du coup l'or ensuite avec du mercure. Juste avant de partir, il fouille dans sa poche de treillis et il en sort une pépite. Une vraie pépite d'or, comme j'en avais encore jamais vu. Moi, je n'avais pas vu de pépite. Je veux dire, moi, le seul or que j'avais vu avant de venir, c'était dans les bijouteries, hein, comme tout le monde, je pense. Et il nous dit, en fait, voilà, moi, j'étais au tamis. Et il se trouve qu'au moment où cette pépite est sortie comme ça, telle qu'elle, le contremaître regardait ailleurs. Je l'ai prise, je l'ai volée, au péril de ma vie, en fait, et je l'ai mise dans ma poche sans réfléchir. Voilà ce qu'on peut trouver en ce moment à Maroudi. Donc, le rendement de la mine est en constante augmentation. Voilà. Il s'arrête un peu sur ça, peut-être qu'il se rend compte qu'il en a trop dit, il nous dit bon, il faut que j'y aille, et il nous laisse comme ça. Et c'est comme ça que va naître l'idée de proposer à Rudy, le père de Shane, qui connaît du coup les environs, qui connaît l'orpaillage légal et illégal, d'aller là-bas. Moi, je me suis quand même engagé à accompagner Shane chercher de l'or. Je ne me suis pas engagé forcément à aller dans une mine d'or clandestine, mais l'idée, c'était quand même de voir si on pouvait trouver de l'or. Et comme on était démunis, on n'avait pas d'idée, on ne savait pas où aller. Et le plan initial d'aller sonder la forêt amazonienne
vierge est un peu tombée à l'eau, on décide de se rabattre sur Maroudi, qui est cette mine d'or clandestine, qui est pareil, on revient à l'idée du fantasme où en fait, il nous montre la direction. Et donc moi, tout ce que je vois, c'est une espèce de forêt noire. Elle est verdoyante, elle est flippante. Si on voit ça de loin comme ça, ça nous paraît très impressionnant. Moi, en plus, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, une mine clandestine. Voilà, même ce nom, Maroudi, ça sonne un peu rocailleux, etc. Pour que tu retires un R, ça raconte toute une histoire. Hein. C'est maudit, je veux Voilà. dire. Il aurait pu l'inventer, ce nom, quoi. Exactement. Exactement. Enfin, c'est très bien vu. Donc, forcément, voilà, ça nous travaille quelques jours. Et puis, en fait, il se trouve que Rudy, donc le père de Shane, quand il arrive, il nous dit qu'il connaît bien l'endroit. Qu'il y a déjà travaillé, mais qu'à l'époque, ça n'avait rien donné. Et donc, quand on lui dit, bah, peut-être que c'est la seule solution, c'est pas vraiment idéal, c'est pas du tout idyllique non plus, mais si on veut chercher de l'or, c'est peut-être par là qu'il faut commencer, puisqu'apparemment, il y a ce genre de pépite qui. Qui sort. C'est comme ça que l'aventure plutôt plaisante et relativement agréable du début va se transformer et surtout va nous dépasser. Et on va rentrer là dans le volet beaucoup plus sombre de Ouais. l'aventure, de l'orpaillage. Oui, c'est un livre sombre et mais exaltant aussi, hein, intéressant. C'est oui, la quête de l'or est évidemment prétexte à une observation des autres et de soi. Vraiment super intéressante, où quelque part on en sort en sachant pas toujours que penser des gens finalement. Ce qu'on disait, quand on avait parlé un peu avant, on disait dans le film Hollywood, c'est très simple, il y a les bons, il y a les mauvais. C'est tellement plus simple comme ça, on peut mettre les gens dans des cases, etc. Et ici, c'est juste impossible. Il y a des personnages légendaires qui sont tantôt des crapules, tantôt des héros, et puis tantôt aussi de simples hommes. Et c'est ce mélange de tout ça qui fait notre humanité, mais c'est inconfortable de l'admettre aussi. Enfin, non, c'est difficile de mettre des mots sur ce que tu as fait parce que justement, tu en rends toute la complexité. Et d'ailleurs, ce livre est très bien reçu. Je note au passage qu'il a eu pas mal. Il est toujours au-dessus de 4 étoiles, hein, et 4,5, 5, 4,8 dans les différentes choses que j'ai vues. Donc, il plaît beaucoup, hein, ton livre. Je sais pas si tu as eu beaucoup d'échos positifs, mais je peux te dire que moi, j'ai été voir un petit peu les critiques de tout ça et il est bien reçu. Ou alors, tu as une grande famille très large qui a bombardé de commentaires sur les. Beaucoup d'amis. Je rigole, évidemment. Ok, et alors raconte cette arrivée justement à Maroudi. Elle se fait l'arrivée à Maroudi, elle est intense. Ouais. Je m'en rappellerai vraiment toute ma vie parce que bon, il y a plusieurs étapes dans l'arrivée. La première arrivée, on est parti au petit matin avec des motos. On avait de quoi. On a réussi, voilà, à trouver des vivres, à charger des sacs à dos sur nos motos à l'arrière, sur le porte-bagages. Et on part à trois motos, parce qu'on a réussi à embarquer quelques amis et cousins de Shane du village qui vont nous prêter main forte, qui veulent faire partie de l'aventure. Et donc on part à trois motos, motocross, à travers la savane pour rejoindre l'Amazonie, vraiment pour pénétrer vraiment au cœur de l'Amazonie. Donc la première arrivée, elle se fait à travers la jungle. C'est-à-dire que là, moi, pour la première fois, je vais pénétrer dans la jungle amazonienne. Donc moi, déjà, je suis comme un dingue parce que je me dis, ça y est, enfin, je suis là au cœur du poumon de la terre, de cet endroit que j'avais tant idéalisé. Et là, à ce moment-là, pas de désillusion. Là, c'est vraiment comme je l'imagine, à savoir la température qui chute drastiquement, une humidité de dingue. Contrairement à ce qu'on peut penser, la forêt amazonienne, c'est bruyant, c'est pas du tout calme. Il y a plein, plein de bruit. Il y a les toucans, les singes hurleurs, il y a des. Voilà, donc c'est très vivant, etc. Donc on emprunte des pistes comme ça qui vont nous emmener jusqu'à Maroudi. Donc ça, c'est la première approche. Moi, à ce moment-là, je suis plutôt exalté, je suis enthousiaste, je suis content. Bon, je sais qu'on va dans une mine clandestine, donc je suis pas forcément. Rassuré, mais l'adrénaline s'occupe du reste. Ensuite, juste avant d'arriver à Maroudi, on s'arrête. Mon conducteur, Fada, s'arrête et il y a le moteur qui tourne encore, donc il est en train de crier à l'arrière pour que j'entende. Et il me dit, voilà, tu vois là ce qu'il y a sur les côtés à droite là. Et je regarde et en effet, il y a des grands entrepôts comme ça qui sont assez lugubres. Et il me dit, là, il y a une multinationale canadienne qui s'appelle la Romanex, qui stockent des espèces de carottes minérales
Et ils s'en servent pour faire des études de la concentration en or, justement, de la montagne de Maroudi. Et il me dit, en fait, pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'accéder à la montagne parce qu'elle est en terre amérindienne. Donc, les multinationales n'ont pas le droit de l'exploiter. Mais le jour où ils arrivent à mettre les pieds là-dedans, soit par corruption, soit parce que le gouvernement a changé les lois, soit pour une raison ou autre, il me dit cette phrase, il me dit, on est mort. Voilà. Bon, donc, je prends acte de ce constat, et puis là, on remet les gaz à fond, et on arrive progressivement au campement, on arrive à Maroudi. Et là, mon arrivée à proprement parler à Maroudi, elle est assez étrange parce que Maroudi, c'est comme une montagne, en fait. C'est une grande colline, donc plutôt une montagne. Donc, il y a évidemment la vallée en bas avec les points d'eau, et puis il y a le sommet de la montagne où se trouve vraiment la mine à ciel ouvert. Donc, nous, on arrive par le bas. C'est là où il y a un peu les campements des orpailleurs. Donc, forcément, on arrive en moto, on passe pas inaperçu, on croise quelques orpailleurs aussi qui vont ou qui reviennent du travail, et ils sont plutôt méfiants. Moi, heureusement, c'est ce que j'explique dans le livre, je suis à l'arrière, c'est pas moi qui conduis, donc je suis caché par mon pilote. Et je dis ça, c'est important parce que il faut bien qu'on se rende compte que je suis le seul blanc. Là, il y a que des Amérindiens ou des Brésiliens ou des mélanges, en fait. Ce sont des mulâtres, en fait. Enfin, on est en zone créole, donc il y a beaucoup de mélanges aussi avec des anciens esclaves, etc. Et moi, clairement, je dénote. Enfin, moi, j'arrive, je suis blanc, les yeux bleus. Voilà. Et à mon passage, on sent une raideur. On sent qu'il y a une méfiance. Donc, on s'arrête pas vraiment. On va tout de suite trouver un lieu où on pourra camper, s'installer pour éviter de trop traîner dans le coin. Même si moi je suis quand même, je fais partie d'une équipe de Wapishana, et donc je veux dire c'est un peu mon passe quoi. Je veux dire je suis quand même sous la protection de mes amis qui eux sont relativement bien accueillis. Il se trouve même que alors donc ça c'est un peu plus rigolo mais. Quand on arrive, en fait, on dit bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est ma première surprise. Je me dis, en fait, c'est extraordinaire. Vu qu'il dit rien, moi, je ne savais pas qu'il connaissait aussi bien que ça l'endroit. Moi, tout ce que je savais, c'était qu'il était déjà venu, qu'il avait déjà essayé de travailler une fois ou deux ici. Mais en fait, pas du tout. Il est là-bas comme chez lui. Et il dit bonjour à tout le monde. Les gens le reconnaissent, les gens le respectent. Et ça va être vraiment un gros, gros plus dans mon aventure, puisque ça va m'offrir une protection, on va dire. Ouais, d'être accepté quand même, plus ou moins, pas nécessairement apprécié, mais voilà, Ouais, voilà. accepté, voilà. D'être toléré. Au début, je vais être Ouais. toléré. Et alors, vous vous installez, raconte un peu les journées là-bas. D'abord, il y a à nouveau cette attente du bon moment pour pouvoir, on peut pas s'y mettre comme ça, n'importe comment. C'est très organisé dans cette désorganisation. En tout cas, il y a des moments où c'est possible, d'autres où ça ne l'est pas. Raconte un peu ça. Exactement. Il y a une règle non écrite que j'apprendrai sur place, c'est que pour installer une espèce de paix sociale ou un minimum d'organisation, pour que puissent cohabiter les bagmen qui travaillent donc à pied, à dos d'homme, et les machines, les propriétaires des machines ont accepté de passer un deal avec les bagmen qui stipule que une fois tous les, je sais pas, tous les temps, toutes les semaines ou tous les 10 jours ou toutes les 2 semaines, on sait pas trop la fréquence. On organise ce qu'on appelle un Bagman Day. En gros, c'est une journée où les pelleteuses et les camions vont extraire la terre de la montagne et vont déverser cette terre sur un terre-plein. Là, les équipes vont pouvoir remplir un maximum de sacs de terre et les camions vont exceptionnellement les descendre jusque dans la vallée où se trouvent les broyeurs qui vont servir donc à broyer cette terre. Et à traiter les alluvions. Et donc là, on en parlera peut-être plus tard, mais on va badigeonner les rampes de lavage avec du mercure qui va agréger l'or. Et c'est comme ça qu'on va extraire l'or de ces tas de terre, en fait. Parce que partout, il faut imaginer, il y a des tas de terre mélangées à des pierres et de la poussière, etc. Donc la pollution, voilà, tu parles du mercure, on peut en parler, la pollution là-bas est monstrueuse, c'est absolument pas contrôlé. Alors la pollution, elle n'est absolument pas contrôlée, le mercure est interdit.
Mais il faut bien s'imaginer qu'on est vraiment dans une zone de non-droit. C'est pas pour en rajouter, mais on est dans une zone où évidemment il n'y a pas de police, il n'y a pas de personne n'y a accès. Donc je vais passer vite là-dessus, mais moi quand j'arrive la première nuit, on me raconte toutes les histoires sordides pour nous mettre à jour de ce qui se passe. Et donc on nous parle de règlement de compte. Évidemment là, la police va pas mener d'enquête, hein. C'est sûr que personne va réclamer le corps. Hein. Pour te donner un ordre d'idée, là où on s'est installé, où on a installé nos hamacs, on nous dit, bah, une semaine avant votre arrivée, il y a un mec qui a brûlé vif dans son hamac pendant qu'il dormait son coéquipier parce qu'il lui avait volé de l'or, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans une... Là, la grille de lecture du monde change. Forcément, là, la limite entre le bien et le mal, entre ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, la limite devient beaucoup plus poreuse, hein. Forcément, on se rend compte que notre comportement, la façon dont on va appréhender les situations ne va pas être la même que ne serait-ce qu'au village ou et encore moins qu'à Paris ou ailleurs en France. Ah oui, carrément. D'où viennent les machines, au fait? Ça, j'ai pas tombé, puisque les grandes internationales ne peuvent pas encore venir et ne pourront normalement jamais, mais va savoir. D'où viennent déjà les machines et les camions? Il y a quand même des industriels quelque part qui sont là. C'est des industries locales ou? Alors, ce ne sont pas des industriels, ça reste encore artisanal. Ce sont des propriétaires, ce sont des gens qui ont eu suffisamment d'argent pour acheter, on va dire, peut-être une pelleteuse et un ou deux camions, D'accord. et qui se sont pas du tout embarrassés de la préservation de l'environnement. Et c'est bien parce que je voulais revenir sur la pollution. Et en fait, ils se sont frayés un chemin, soit depuis le Brésil, parce qu'on est vraiment à la frontière brésilienne, soit depuis le Guyana. Ils ont tout brûlé sur leur passage, ils se sont frayés un chemin en fait à coups de tractopelles et de pelleteuses et de camions pour acheminer leur équipement et leur machine jusqu'à Maroudi. Et quand tu me posais la question sur mon arrivée à Maroudi, on a emprunté justement ces pistes qui sont jonchées de part et d'autre d'arbres morts, calcinés. Voilà, donc c'est quand même la première vision d'horreur. Elle arrive avant même mon arrivée à proprement parler à Maroudi, puisque au fur et à mesure qu'on approche de Maroudi, on voit en fait les ornières, on voit les traces de pneus qui sont très très larges, donc on voit que les camions sont gros. Et donc tout ça, c'est les locaux qui ont fait ça. Donc on dit Ce par sont exemple des les locaux. Amérindiens qui défendent, ils défendent pas tous la forêt, quoi. Voilà. C'est aussi une Alors, des c'est ça. illusions. Et puis, ils ne sont pas tous amérindiens. Il y en a qui sont brésiliens, il y en a qui sont. Enfin, voilà, c'est difficile à savoir qui vient d'où. On en parlera aussi plus tard. À Maroudi, tout le monde a un secret, hein. Dans cet endroit, en fait, il faut bien imaginer que on y arrive aussi pour se faire oublier. Tout le monde a son histoire, tout le monde a un secret à cacher. Même les gens proches avec qui j'ai fait équipe, y compris Rudy. Avait un secret qu'il avait enfui bien profond. Et donc, voilà, il y a des Amérindiens, il y a des repris de justice, il y a un peu tout ce qu'on peut imaginer là-bas, quoi. Et pour revenir sur la pollution, elle est à la fois engendrée par l'utilisation extensive du mercure, mais il y a vraiment tout type de pollution. Il y a à la fois la déforestation, qui est banale, parce que bah, quand il y a un arbre qui gêne, on le coupe ou on le brûle. Il y a la culture par brûlis. C'est ma première nuit à Maroudi où je vais rencontrer Rope, qui est un orpailleur qui a complètement. Bon, lui qui est un peu vrillé, ça fait trop longtemps qu'il est là et qui a foutu le feu carrément à plusieurs hectares autour de son campement pour pouvoir ensuite y cultiver des légumes et des fruits. Mais aussi, il y a une pollution aussi qui est sonore et visuelle à laquelle on ne pense pas tout de suite, mais il faut imaginer que c'est un endroit qui est très bruyant. Il y a les broyeurs qui travaillent dans la vallée en continu, le jour et la nuit. Il y a les camions qui font des allers-retours entre Maroudi, donc le haut de la montagne, et la vallée. Et alors à Maroudi, à proprement parler, dans la mine, là c'est un chaos absolu. Il y a les excavatrices, les pelleteuses qui travaillent aux côtés des camions, qui travaillent et même aux côtés des employeurs qui se hurlent dessus. Il y a des mercenaires en quad qui circulent et qui vont hurler des ordres aux quelques personnes qui travaillent pour le compte d'un propriétaire. Il y a de la poussière aussi qui est omniprésente. Donc on est obligé de se balader avec des bandanas en fait noués sur le nez et sur la bouche.
Voilà, donc quand on parle de pollution, il faut imaginer que c'est une pollution qui est vraiment globale. Il y a la pollution environnementale, mais il y a la pollution aussi, j'ai presque envie de dire même des esprits, quoi. Est-ce que t'as failli mourir là-bas? Voilà, tu parles justement de cette cohue des gens qui travaillent juste à côté des machines, des règlements de compte. Est-ce que tu t'es senti d'un moment ou un autre, toi, en danger avec le fait que tu étais juste toléré ou. J'ai pas failli mourir là-bas, pas à ma connaissance. Après, le sentiment de danger, il est omniprésent. J'ai pas subi de menaces physiques directes, même si j'ai été victime d'intimidation de personnes armées. Mais non, je suis obligé de rester fidèle à ce que j'ai vécu et à la réalité des choses. Mon intégrité physique n'a pas été en cause. Mais le D'accord. danger, oui, il est omniprésent. Les journées là-bas, alors ça se passait comment? Elles étaient jamais pareilles, puisqu'il y avait des journées d'attente, que ce soit le bon moment d'aller remplir son sac. Donc il y avait les moments d'attente parce que c'est les machines qui travaillaient et les bagmen n'étaient pas les bienvenus, et puis il y avait les bagmen day, alors c'est ça? Non, alors en fait c'est assez étrange. Il y a une espèce de tolérance mutuelle puisque vu que l'endroit est à tout le monde, il est à personne. Donc il faut imaginer en fait une fosse géante qui est creusée à même la montagne en fait. Hein, c'est ça, hein, c'est la montagne qu'on creuse. C'est comme une plaie béante parce que j'emploie le mot plaie à dessein puisque il se trouve que la terre est ocre, donc il y a vraiment un côté comme ça, visuellement presque, on dirait du sang. C'est comme si la terre saignait vraiment. Ah oui, on le voit sur Donc, ta couverture pour ceux qui verront les petits extraits vidéo. Ouais, ça fait penser un peu à la latérite qu'on peut trouver en Afrique, mais c'est très très rouge, ouais. c'est ça, ouais, exactement. Donc, il y a au plus proche du centre des pelleteuses, qui vont vraiment creuser comme sur un chantier. À côté, vraiment, avec les pelleteuses, en fait, en cohabitation, tu vas avoir des gens pieds nus, armés de leurs sacs et de leurs marteaux et peut-être une pelle, qui vont essayer de faire ce que fait la pelleteuse, mais à la main, et qui vont essayer de remplir leurs sacs tant bien que mal, et qui vont les remonter ensuite à la surface, et en fin de journée, redescendre tous leurs sacs jusqu'à la vallée où à la vallée où il y a des points d'eau, qui vont servir au broyage de cette terre. Voilà le fonctionnement, on va dire, quotidien de la mine. Ensuite, il y a le Bagman Day, où là, pendant une après-midi, les machines travaillent pour les bagman. Mais il ne faut pas se mentir, hein, eux, ça leur prend quelques heures et ensuite, c'est tout. Le gros avantage pour les bagman que nous étions, c'est que on va pouvoir remplir à peu près 200 sacs en relativement peu de temps, avec un effort physique considérable, parce qu'il faut remplir 200 sacs de terre en faisant des chaînes et en allant vite, parce qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent. Donc il y a une course contre la montre. Et l'attente vient du fait que ces 200 sacs de terre, ensuite, il faut les broyer. Ça prend du temps, ça va prendre peut-être 3-4 jours pour broyer 200 sacs de terre. Et pendant ce temps-là, alors les plus acharnés remontent à la mine et continuent à travailler, mais dans tous les cas, il y a ce temps-là qui est un peu incompressible de broyage. Et donc cette attente, elle est un peu omniprésente parce que, alors déjà aussi il fait chaud, donc on ne peut pas travailler toute la journée, on va travailler plutôt très tôt le matin et en fin d'après-midi, avant que la nuit tombe. Il y a des bagmen qui travaillent la nuit parce qu'il fait plus frais, ils travaillent à la lumière de leur lampe frontale. Et l'attente, elle est aussi présente parce que, ben, en dehors de chercher de l'or, il n'y a rien à faire, quoi. L'endroit est tellement pollué, il est tellement inhospitalier qu'on reste dans nos hamacs, on se repose. Pour donner une idée claire du quotidien, c'est un endroit où tout le monde se drogue toute la journée pour tenir, pour attendre, pour résister dans l'effort. Donc tout le monde est défoncé toute la journée, donc ça rend les interactions humaines compliquées. Et donc l'attente, elle est omniprésente. Les journées sont longues, en fait. On se réveille le matin à 5h30. Un peu avec le soleil et la nuit tombe à 18h, donc voilà. Et puis quand on travaille, les journées sont longues aussi, puisque le travail est éreintant, c'est vraiment un travail d'esclave. Et est-ce qu'il y en a un seul qui arrive à accumuler assez pour quitter ce trou ou
ils ont de quoi, ils font la fête et puis c'est tout, comme dans les bons vieux récits, ou est-ce qu'il n'y a pas assez, justement, pour jamais pouvoir quitter cet enfer? Je te remercie pour cette question. On arrive à la conclusion et à l'origine en même temps du récit, parce que c'est la question pour moi qui est la plus intéressante. Donc la réponse est non. Moi, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu et de ce qu'on a pu me raconter, personne à Maroudi n'a réussi à trouver suffisamment d'or pour quitter cet enfer. Bon, il y a plusieurs raisons. La première, elles ne sont pas par ordre d'importance, mais il y a une des raisons, qui explique ce comportement, c'est le moment présent. C'est que les orpailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont une mentalité de joueur. C'est-à-dire, vu que c'est de l'argent, de l'or qui est trouvé, alors difficilement, mais rapidement, ils vont le dépenser tout de suite. Comme là-bas, la vie n'a pas de valeur, on peut mourir du jour au lendemain, il y a des. Comme voilà, on en a parlé, il y a des règlements de compte, il y a des accidents, il y a des. Ça, c'est de l'argent qu'on va dépenser tout de suite avec les prostituées ou en alcool. Voilà, on va dire pour les plus fêtards. Les autres vont l'envoyer tout de suite dans leur famille pour nourrir leurs enfants ou leurs femmes qui sont restées par exemple au Brésil ou au Guyana. Ce qui est important aussi, c'est pour ça que je disais que c'était à la fois la conclusion et l'origine de mon récit, c'est que. L'origine de ma volonté d'écrire aussi, c'était de façon très, 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 très prosaïque de dire en fait tout ça pour ça. En fait, ce que je voulais, c'était témoigner, pour plusieurs raisons, et on en parlera j'espère plus tard, mais je voulais aussi témoigner de la réalité des choses. Parce que tu en as parlé tout à l'heure et à très juste titre, souvent on fantasme aussi avec Netflix, avec les films, les livres, etc. Bon. De l'homme blanc qui trouve un filon, qui exploite le filon, qui devient richissime, et puis en général, voilà, il va se faire trahir, ou il va se passer quelque chose qui fait qu'il va y avoir un déclin, et puis c'est la fin de l'histoire. Dans la réalité, la vie est beaucoup plus dure que ça. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'or. C'est un mirage. C'est pour ça que le titre de mon bouquin, c'est Bagman, le mirage de l'or. Tous ces gens, en fait, et c'est la conclusion de mon livre, c'est pour ça que je te disais que c'est à la fois la conclusion et l'origine, c'est que ces gens-là, ces orpailleurs, ces bagman sont prisonniers de leur propre illusion. Ils sont nourris d'espoir qu'un jour, ils trouveront suffisamment d'or pour pouvoir quitter cet enfer, sauf que ça n'arrive pas. Et chaque jour, ils se disent, eh ben, peut-être demain, je trouverai le filon, la pépite qui me rendra riche. Et le lendemain, il n'y a rien. Alors, ils se disent, ben, peut-être demain, et encore peut-être demain, et peut-être demain. Et en fait, le meilleur exemple de ça, c'est Rudy. Rudy, le père de Shane, ça fait 30 ans qu'il est pauvre, qu'il cherche de l'or. Et ça fait 30 ans que le peu d'or qu'il trouve, il le dépense en weed, en alcool, en que sais-je. Et en fait, il a jamais réussi à s'extraire de cette condition. Et surtout, il n'a jamais réussi à s'extraire de cette folie qui est, à mon avis, nourrie par cet espoir un peu insensé de se dire, à Demain. force, ma chance va arriver, en fait. La chance va tourner, oui, vraiment comme au casino, ouais. Exactement. Et c'est une prison mentale qui est la résultante de plein de choses. C'est à la fois l'appât du gain, la fièvre de l'or, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais ça existe vraiment. Parlons-en. Oui, vas-y. La fièvre de l'or, c'est quelque chose que j'ai, alors que je connaissais avant, parce que j'avais lu quelques ouvrages, des romans, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, mais j'attendais de voir, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas forcément le cas, et c'est vraiment le cas, et ça arrive très très vite. Tu l'as ressenti aussi. Je l'ai ressenti aussi, proportion gardée, et à mon échelle, évidemment, mais je l'ai ressenti aussi, oui. Je l'ai ressenti parce que. Mais en fait, il y a un élément déclencheur qui intervient lorsque tu récupères pour la première fois l'or que tu es allé chercher toi-même. Il se passe quelque chose. Et j'en suis pas fier. Ou, enfin, c'est ni bien ni pas bien. En tout cas, c'est un constat. Par contre, je pense que je suis privilégié de l'avoir ressenti parce que du coup, je peux en parler. Et en effet, l'or, c'est quelque chose de tellement précieux pour nous. Bon, ça a une valeur complètement fictive. Hein. Mais C'est ça qui est dingue. Alors voilà, ça aussi on en parlera, c'est qu'évidemment tout ça c'est pour un métal qui n'a aucune valeur intrinsèque. C'est nous les êtres humains qui avons Décider qu'il avait de la qui valeur, lui ouais. donnons, voilà.
Mais cette fièvre de l'or, elle est palpable, et puis surtout, elle est contagieuse. Donc, ça fait que même moi, à force de fréquenter ces gens-là qui étaient complètement enivrés, et moi-même de l'avoir, d'avoir du coup travaillé plusieurs journées, d'avoir patienté, d'avoir broyé la terre, etc., et d'avoir ensuite récupéré ma part, parce qu'on devait diviser ensuite ce qu'on avait trouvé. Et quand tu te retrouves avec ton petit caillou d'or, c'est pas tellement la valeur financière qui ça vaut rien. Hein. Dans le livre, je triche pas sur les chiffres. C'est moins de 100 euros à chaque fois qu'on a l'équivalent. Mais il y a cette étincelle, en fait, où moi-même, je me suis surpris à me dire, oh, mais en fait, c'est peut-être possible. Peut-être Ouais. qu'en effet, demain, ou dans un mois, ou dans un an, peut-être qu'on sortira une pépite ou un filon. Et c'est vrai que ça rend un peu fou. Hein. Bah, tu sais, j'avais toujours entendu parler du fait que on avait été en Australie, on avait visité aussi des choses. Il y avait des rues de vers l'or, mais il y avait vu une grosse pépite. Elle demandait si t'étais revenu avec une énorme pépite comme celle qu'on avait vue, ou c'est celle du musée qui était même pas la vraie, évidemment. C'est pour montrer ce qu'on avait pu trouver et encore. Mais on disait toujours, les seuls à faire fortune dans ce genre de choses, en général, c'est les vendeurs de pelles. Dans toutes les rues de vers l'or, c'est ceux qui font fortune, c'est ceux qui vendent du matériel. Et j'ai beaucoup ri parce que justement, je me suis un peu renseignée sur la recherche de l'or à l'heure actuelle. Bon. Et aussi en Europe, ça existe toujours, ceux qui mettent des petits orpailleurs artisanaux, hein, qui vont. D'ailleurs, c'est réglementé en France, on peut le faire, mais il faut se déclarer. Je sais plus si c'est à la mairie ou quoi, mais voilà, il faut déclarer qu'on va le faire. Et alors, c'est vraiment des secrets bien gardés, chacun à son endroit, qu'on essaie de ne pas faire repérer, où tu récoltes un tout petit peu d'or, effectivement. Mais je voyais un truc, le champion d'Europe d'orpaillage, etc. Donc, je regardais un petit peu ce que c'était. Et effectivement, il a monté sa petite entreprise, mais c'est en vente du matériel. Et c'est la vente du matériel d'orpaillage, parce qu'il est connu pour ça et il vend dans le monde entier. Il n'arrive même plus à suivre qu'il est en train de faire fortune. C'est pas du tout avec la recherche de l'or. Et je me dis, bah tiens, voilà, l'histoire continue. Et on me disait justement, mon avis, du côté de Maraudi, ceux qui s'en sortent bien, bah, c'est peut-être les prostituées qui, elles, n'arrivent à ne pas tout flamber. Tu disais finalement, c'est des femmes qui. Voilà, qui faisaient leur carrière avec le jugement qu'on peut avoir ou pas là-dessus, mais qui effectivement, elles arrivaient à ramener de l'argent. C'est peut-être ceux qui vendent justement les machines ou qui vendent le broyage qui s'en sortent le mieux, que s'ils sont pas pris effectivement dans l'herbe et l'alcool. Est-ce que tu as vu aussi ceux qui arrivaient à réellement s'enrichir, si c'était effectivement comme partout ceux qui sont quelque part autour? Alors, je suis content que tu cites cette petite phrase parce qu'en effet, elle est très vraie, hein. Et je l'avais pas fait, donc je suis content que tu le fasses pour moi. En effet, dans mon aventure, je l'ai vu et je pense qu'on le voit bien aussi dans le roman. C'est un moment qui est assez fort d'ailleurs pour moi, parce que je me rends compte à ce moment-là de ce qui est sous mes yeux, en fait. C'est que les seules personnes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu sont les propriétaires de machines. Alors eux, je ne sais pas s'ils arrivent à faire fortune. Oui, j'ai entendu des histoires. Enfin, je sais qu'ils ont réussi à investir ensuite leur or dans la pierre au Brésil, qu'ils ont ensuite réussi quand même à tirer leur épingle du jeu, même si paradoxalement, ils sont encore là. Donc finalement, peut-être pas tant que ça, quoi. Ou en tout cas, ils sont encore enivrés parce que j'ai l'impression que c'est jamais assez. T'as beau récolter de l'or. Il trouve qu'ils sont aussi prisonniers que les bagmen qui, eux, pour le coup, n'ont rien, puisqu'ils sont tous les jours, matin, midi et soir, à maraudi. Bah, c'est très humain, ça, parce que quand tu vois n'importe qui, un capitaliste qui voilà, en bourse, ne dit, bon, maintenant j'ai assez, ça va, c'est bon, j'arrête la bourse, ou quelqu'un qui gagne de l'argent te dira rarement, c'est rare, ceux qui ont la sagesse de s'arrêter, on est des accumulateurs terribles, c'est ça le problème d'ailleurs du capitalisme, c'est le jamais assez. Donc c'est vrai, c'est facile de les juger, mais je me suis dit, bah, avant le juger, on va peut-être regarder ce qu'on fait nous, hein, mais finalement, on fait autrement, mais c'est exactement la même chose, hein, cette Bah, accumulation. c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait le lien avec beaucoup d'autres réflexions que j'ai eues sur place et a posteriori, mais on a l'impression que cet endroit est complètement hors du temps et qu'il appartient pas à notre monde, mais en fait, il est assez représentatif du monde dans lequel on vit, avec ses spécificités évidemment, mais les traits humains et les dérives sont les mêmes, elles sont juste exacerbées là-bas. Mais en fait, c'est la même chose. Les rapports de force sont les mêmes. L'avidité est la même. Elle est juste plus forte parce qu'il y a de l'or tout le temps, voilà, qui circule autour de nous. Il y a cet espoir d'en trouver, etc. Mais finalement, comme tu dis, le lien avec le trader qui va jamais pouvoir s'arrêter alors qu'il est millionnaire,
On le retrouve là-bas aussi avec les propriétaires qui ont sûrement trouvé suffisamment d'or pour être tranquilles, ou en tout cas pour faire autre chose de leur vie, parce qu'il faut le rappeler, c'est un enfer sur Terre, cet endroit. Eh bien, en fait, non, ça, c'est jamais suffisant. L'histoire de Rope, qui est le cousin de Rudy, qui est un personnage aussi extraordinaire, moi, je trouve, parce qu'il est très imposant par sa carrure, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de charisme, qui est magnétique. Lui, il a failli mourir, il est d'empoisonnement au mercure, il est devenu presque hémiplégique. Et en fait, au lieu de se dire j'arrête, je fais autre chose, on l'a retrouvé là-bas. Et il s'installe et il continue, alors qu'il a une jambe qui fonctionne plus et un cerveau qui est complètement cramé. Ouais, c'est au premier degré, mais c'est quand tu prends ça comme une métaphore, tu dis, y a quelque chose de fort là-dedans, dans cette histoire que tu racontes. Et c'est pour ça que cette notion de jugement que tu mentionnais et de nuance, elle est fondamentale. Et je te remercie de la mettre au centre de notre discussion, parce que il faut pouvoir vivre cette aventure il faut suspendre son jugement. Sinon, on passe à côté. Encore une fois, je le dis à voix haute parce que je tiens à ce que ça se sache. Je ne fais pas l'apologie de l'orpaillage. Au contraire, vraiment, je veux en souligner les effets néfastes. Mais ce qui me permet de faire ça aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, sur place, je pense que j'ai réussi à ne pas juger les gens qui faisaient ça. J'en faisais partie, moi aussi. À un moment donné, du coup, j'ai été embarqué là-dedans. J'ai participé à cette entreprise illégale, polluante, etc. Donc, je n'ai pas jugé les autres, je ne me suis pas jugé moi, en me disant, il faut passer par ça pour pouvoir ensuite digérer cette aventure, l'analyser, et pour pouvoir ensuite en dégager qu'on fait maintenant, en fait, les effets néfastes, les leçons de vie, et puis surtout pouvoir ensuite transmettre et témoigner pour rappeler peut-être aux gens qui se posent des questions ou qui auraient des velléités que non, en fait, c'est une illusion. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de ruée vers l'or, il n'y a pas de salut possible à travers l'orpaillage. Oui, je t'avais dit, d'ailleurs, j'avais avoué mon hésitation, malgré la grande qualité du livre que j'ai beaucoup apprécié. Je me disais, si je suscite la moindre vocation là-dedans, mais oh, purée, mais tellement le contraire que je veux faire, quelle horreur! Donc, oui, on va pas moraliser les gens, mais c'est vrai que c'était intéressant. J'ai quand même accepté, parce que c'est vrai que c'est une aventure qui est vraiment extraordinaire, qui sort vraiment de l'ordinaire, et qui nous ramène aussi à ce que nous sommes. Et c'était ça que je trouvais intéressant. Voir que même quand on se croit un peu en dehors de ça, au-dessus de ça, qu'on se laisse happer facilement aussi parce que tu t'es senti toi-même changer, hein. Ça, c'est intéressant, on peut en parler. Et t'as senti cette agressivité primale qui arrivait pour s'imposer, pour impressionner. Enfin, tout ce jeu, on dit toujours qu'on devient la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus, mais quand on est plongé là-bas, faut pas croire qu'on va réussir à rester au-dessus de la mêlée. On change, hein. C'est très vrai. C'est très vrai. Et encore une fois, je te remercie de souligner cet aspect, parce que pour moi, c'est le plus important. C'est un des plus importants de cette aventure. On en avait parlé en amont. Il y a évidemment la première lecture qui est cette aventure, avec ce qu'elle contient d'aventuriers, d'aventureux, certes. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce qui a été le plus marquant, c'est vraiment l'aventure intérieure, le parcours initiatique, l'aventure psychologique. Et en effet, loin de me cacher, au contraire, c'est ce que je vais exploiter, c'est ce que je suis allé chercher dans l'écriture de cet ouvrage, c'est les effets néfastes que ça a eu aussi sur moi, et en me disant, bah, ça aura sûrement les mêmes effets sur tout un chacun, en fait. Le narrateur, donc moi, c'est vraiment un prétexte pour que le lecteur puisse s'identifier et se dire, ah ben, il y a de fortes chances que moi aussi, en fait, je ressente la même chose. Peut-être ou peut-être pas, mais évidemment, moi, j'ai un bagage qui n'est pas le même que les autres, etc. Mais dans l'ensemble, ce dont on se rend compte, c'est que, ben, exactement, on n'est pas mieux que les autres, finalement. Ça dure pas très. On reste au-dessus de la mêlée pas longtemps, hein. Alors, franchement, en quelques jours, on a vite compris comment les choses fonctionnent, que les rapports de force sont cardinaux. Tout fonctionne par rapport de force. Donc, au début, voilà, moi, j'étais poli, je m'adressais aux gens de façon courtoise, etc. Et puis la grille de lecture, tout est redéfini, en fait. Et donc, soit on quitte l'aventure, soit on sort, on s'arrête. Sauf que là, évidemment, ce n'était pas le cas pour moi. J'avais pas de connexion Internet, j'avais rien. En fait, moi, j'étais complètement tributaire de Rudy, de mon équipe. Et puis aussi, j'avais donné ma parole. J'avais dit à Shane, oui, on va aller jusqu'au bout et on va voir si on peut trouver de l'or pour le projet d'Ecolodge. Et c'est pour ça que très vite, je me suis dit, ben, je vais suspendre mon jugement, je vais mettre mes valeurs de côté.
Et en fait, il se trouve qu'assez rapidement, en effet, je me suis laissé gagner à la fois donc par la fièvre de l'or, l'appât du gain. J'ai adopté certains comportements qui étaient nécessaires pour la survie sur place, intégrer le rapport de force, l'intimidation. Je me suis durci, proportion gardée, j'ai reculé dans mon humanité. Oui, mais si tu m'avais pas intimidée, on n'aurait jamais fait cet épisode d'ailleurs. Hein. Et oui, tu es là sous la contrainte d'ailleurs. Complètement. Non, la seule chose qui m'a permis, je pense, de pouvoir si je peux me permettre, mais de pouvoir sublimer en fait cette aventure, de pouvoir la rendre universelle. Moi, heureusement, je me suis jamais complètement déconnecté entièrement de moi-même et de qui j'étais, ce qui fait que tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu vivre et même ce que j'ai pu faire, il y avait toujours quand même une petite voix au fond de moi qui me permettait de garder un petit recul et qui m'a permis après coup de pouvoir analyser tout ça. T'as dû mettre un peu tout ça au repos avant de pouvoir écrire. Je crois que t'as pas su revenir tout de suite, c'est ça? T'as continué à voyager un peu et ça, c'est pas en Argentine que tu as commencé à C'est écrire ça. après avoir laissé un Alors, peu ce qui s'est passé, c'est le recul que était nécessaire. c'est assez intéressant. Moi, je trouve ça passionnant. C'est que aujourd'hui, avec l'avion, on n'a plus le temps du voyage. Un grand reporter me disait ce jour aussi, on est catapulté, c'est comme si ton âme arrivait, mais quelques jours après. T'as déjà, ton corps est là, mais il faut le temps pour ton esprit de te rejoindre. Ben, je suis ravi. C'est parce que ça résume exactement mon ressenti. C'est qu'à la fin de cette aventure, bon, j'avais quand même un avion de retour que j'ai réussi à attraper Oui, vraiment c'était rocambolesque, ouais. in extremis. Voilà, donc j'ai quand même pu rentrer. C'est Il vrai qu'on fallait. se dit, mais il a tellement attendu et à la fin, il a dû courir comme un dératé pour attraper son avion, mais c'est incroyable. C'est le Voilà. seul moment où t'as pas attendu, hein. Il a fallu. Non, ouais, voilà, pour le coup, c'est l'avion qui a attendu. Ouais. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que j'ai en moins de 24 heures, je suis passé de Maroudi, plein cœur de la jungle amazonienne, à une escale de 24 heures à Miami. Et 24 heures après, j'étais de retour à Paris dans ma vie, dans ma vie précédente. Ça doit Et être en presque fait, insupportable. le lundi matin, j'étais habillé comme avant, en chemise, petite veste, et je retournais à l'université pour m'occuper des relations internationales. Et ça a été vraiment un choc supplémentaire, puisque j'étais en total décalage pendant des semaines et des semaines. Comme tu l'as très bien résumé, mon corps était là, mais mon âme et mon cerveau, mes pensées étaient encore là-bas. À cela s'ajoute évidemment le sentiment de culpabilité d'avoir laissé mes compagnons d'infortune sur place, moi d'avoir retrouvé entre guillemets le confort douillet de ma vie parisienne. Donc il y a plein de pensées, de sentiments comme ça qui vous traversent. Et alors, ce qui s'est passé de façon très très honnête, hein, c'est que j'ai essayé de reprendre ma vie d'avant, parce que c'est ma vie. Donc je me suis contraint, voilà, tous les matins, j'ai fait semblant, je retournais au bureau, je repartais en mission, etc. Ça a duré quelques mois. Et puis en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est pour ça qu'en début d'entretien, je te disais que c'est une aventure qui a bouleversé ma vie, puisque je me suis vraiment remis en question, j'ai beaucoup réfléchi et ça s'est traduit par moi, j'ai pas renouvelé mon contrat et j'ai tout quitté à Paris. J'ai laissé mon appartement, mon travail, mes amitiés, mes relations, et je suis parti en effet faire le tour d'Amérique latine en van pour une durée indéterminée. Et c'est moi qui ont précédé ce voyage ont été nécessaires pour premièrement digérer cette aventure. Et ensuite, trouver les mots justes pour raconter l'histoire de Rudy, de Shane, de Fada, Tyrone, Wayne, tous ces gens qui faisaient partie de mon équipe. C'est beau de te voir sourire en disant chaque nom. Ouais, bah, parce que ils avouaient leur souvenir est encore très présent. I traveled from looking for wealth, didn't I? I prayed and lost in that house. Je ne savais pas comment raconter cette histoire. Assez vite en rentrant, je sentais que j'avais besoin d'en parler, mais j'ai mis du temps à en parler aussi autour de moi, dans les détails. Souvent, je minimisais un peu ce que j'avais vécu. Je crois que j'avais encore du mal à me rendre compte que tout ça était bien réel. Et avec le temps, voilà, j'ai réussi à trouver la force et surtout à trouver les mots. Ouais.
Et je voulais trouver le bon rythme, la bonne énergie, les bons mots, en fait, pour leur rendre hommage, pour pas travestir ce que j'avais vécu, ou pour pas donner une image édulcorée, et surtout, pour pas céder peut-être à une tentation, alors que moi, j'ai pas eu, mais je me suis beaucoup posé la question de me dire, est-ce que je pourrais en rajouter, finalement, partir de l'existant, et puis faire une autofiction, et faire quelque chose de plus commercial, de plus mainstream, etc. Et puis, en fait, assez rapidement, je me suis dit, mais non, non, au contraire, la force de cette aventure, c'est qu'elle est fidèle au réel. Alors oui, c'est décevant. Je suis parti chercher de l'or, il n'y avait pas d'or ou très peu. Alors le peu que j'ai, je l'ai autour du cou, hein, évidemment, on en a parlé. Ah, tu l'as mise Et aujourd'hui? on va te la montrer quand même. Je ne sais pas, je Ah, sais pas à quoi mais on voit, mais ça ressemble oui, on la voit. Voilà. Et à... ça, Ça c'est ressemble combien à de jours de ça. travail alors? Combien de jours? Je ne sais pas. Ça, c'est tout ce que j'ai récolté, hein, en plusieurs Ouais, semaines. en plusieurs Et là, il semaines. y a 500 euros d'or pur. Ouais. C'est du 24 carats pur, voilà. Ah, bah merci de l'avoir montré. Je suis contente pour avoir tant lu sur elle. Bah oui, elle est là. Et encore une fois, ça, c'est. Moi, c'est tout ce qui me rattache, en fait, à eux. Alors maintenant, c'est aussi le roman, heureusement, qui est du coup qui a bien plus de valeur que cette pépite. Mais cette Ouais. pépite est là vraiment juste pour me rappeler ça. Ouais. Évidemment, ça va de soi, mais j'achète pas d'or. Je dis, oh, pour moi, aujourd'hui, ça devient complètement aberrant de m'intéresser à des bijoux faits en or parce que quand je sais ce que ça coûte et dans quelles conditions c'est exploité. Quel est le succès dont tu es le plus fier? Dans ma vie, oui, c'est une question générale ou là, dans l'aventure? Comme tu veux. À chacun de voir s'il considère ça comme un succès, mais de façon un peu diffuse dans ma vie, le succès dont je suis le plus fier, c'est celui de parvenir, lorsque j'y parviens, en tout cas je m'y emploie tout le temps, c'est d'arriver à m'intégrer là où je suis. Comme tu sais, j'ai passé ma vie à l'étranger, en fait, je me suis construit en exil. J'ai passé de mes 25 à 30 ans au Maroc et au Maghreb de façon plus générale. Et en fait, pour moi, je mets un point d'honneur à toujours essayer, dans la mesure du possible, à m'intégrer là où je suis, à m'intéresser et à pas être en surface, de pas être juste dans la superficialité des choses. Et lorsque j'y parviens, ça, c'est un succès dont je suis le plus fier. Et c'est marrant que je cite ça. Enfin, c'est marrant. Mais maintenant, en m'entendant parler, je me rends compte que c'est pas anodin que je dise ça, puisque l'histoire de Bagman, l'histoire de ce livre, c'est aussi l'histoire de l'acceptation d'un petit Français comme un bagman à part entière. C'est un souffle à l'échelle d'une vie, c'était quelques semaines, mais ma plus grande fierté même dans cette aventure, je pense, c'est d'avoir été accepté par les bagman, alors que c'était vraiment pas gagné au début. Ça, c'est clair. Alors, franchement, la peau blanche et les yeux bleus, c'était pas. Tu cherchais la difficulté, là. Ça jouait pas en ma faveur, ouais. Et alors, l'échec qui t'a le plus construit? C'est difficile de savoir ce qu'on se considère comme un échec. La claque qui t'a le plus appris? Il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup. Bienvenue parmi les humains. Je réfléchis, ouais, c'est un peu ça. Tu sais, je fais beaucoup de boxe. Ah. Donc des claques, j'en prends au Oh là, sens tu du les coup cherches. pas figuré. J'en prends régulièrement, donc je suis très régulièrement remis à ma place. C'est pas forcément ça, peut-être ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais tu sais que je crois que celle qui m'a le plus appris sur moi-même, c'était de après le Canada, je suis rentré en France et je suis rentré en prépa Mathsup. Je voulais faire Mathsup à l'époque, je sais pas pourquoi. Et je suis resté 2 jours. La première journée et demie, c'était le rappel de ce qu'on faisait en terminale en maths et j'ai vu que je n'étais pas du tout au niveau. Et donc, j'ai dû revoir en l'espace d'un week-end toute mon orientation académique et tous mes choix de vie parce que pendant longtemps, j'étais persuadé que c'était ce que je voulais faire. Et voilà, ça, je l'ai vécu comme un très, très gros échec parce que c'était pas prévisible et ça a été très douloureux, surtout à cet âge-là, à 17 ans. Et qu'est-ce que t'en as retiré avec le recul, hein? Ben surtout, ça m'a permis de me trouver. C'est-à-dire qu'après, en réaction, j'ai su que ce qui me plaisait, ce qui m'intéressait vraiment et ce que j'étais, c'était beaucoup plus quelqu'un de tourné vers l'humain, vers les lettres, vers les sciences sociales, et au-delà de ça, vers les histoires, le vécu. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est anecdotique, mais c'est ce moment-là de ma vie qui m'a permis ensuite
de réagir et de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui, je pense. Est-ce qu'il y a une citation à laquelle tu penses souvent, que tu aimes bien dans ta vie? Il y en a plusieurs, il y en a une qui m'inspire, oui. Chaque moment correspond à une citation, mais celle qui m'inspire, c'est une citation de Romain Gary, on se refait pas, hein, qui dit que vous ne pouvez pas attendre de la vie d'avoir un sens, vous devez lui en donner un. Et je l'aime bien, elle m'inspire beaucoup, celle-là. Ah, Romain Gary, c'est l'écrivain préféré de quelqu'un que j'admire beaucoup aussi. C'est François Sarano qui est passé sur le podcast, un ancien de l'équipe Cousteau. Je dois toujours lire Les Racines du Ciel, j'ai pas encore eu le temps. Il le recommande plus que chaleureusement. Toi aussi, je parie. Exactement. Ouais, je crois que cette citation vient peut-être même de cet ouvrage. Tu lis beaucoup, c'est quoi tes romans d'aventure préférés alors? Alors, tu l'as pas fait exprès, mais Les Racines du Ciel sont dans mon top 3. C'est un livre qui est extraordinaire pour moi. C'est un chef-d'œuvre. Sinon, dans les livres d'aventure, il y en a un que je recommanderais vraiment chaleureusement, c'est Shantaram, de David Gregory Roberts. C'est un auteur australien. Et j'en dirai pas plus. Je préfère laisser les gens se faire leur idée. Shantaram. C'est un livre aussi qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et en livre d'aventure, je suis obligé de le citer. Même si au niveau littéraire, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, etc. Mais c'est un livre qui est extraordinaire. C'est Oro de Sisia Zike. C'est un personnage sulfureux. On est loin de Romain Gary, etc. Mais voilà, si vous recherchez de l'aventure, vous en aurez et tout est véridique. Je sais pas, y a tout un truc autour du personnage de. Ok, je mettrai dans les notes de l'épisode aussi, hein. En tout cas sur la page web. Super, comme ça on a des petites références. Alors pour toi, c'est quoi la recette pour vivre sa vie, pour vivre une vie qu'on est content d'avoir vécue? On rentre dans l'intime et le dur là. Ah bah écoute, les aventures, c'est toujours une quête de soi, on va avant toute chose en général, hein. En général, parfois on pense qu'on y va pour quelque chose et puis ce qu'on trouve en général, c'est soi-même ou pas d'ailleurs au bout du compte, parce que répondre à qui je suis, ça prend une vie et je crois que c'est aussi un peu tout ce qu'on cherche, ses limites, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, dans toute aventure, c'est un peu ça qu'on cherche, je pense. Donc, la question à sa place. La question a complètement sa place. C'est juste qu'elle est. Je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, à l'heure actuelle, je te répondrai que, en ce qui me concerne, encore une fois, je vais te dire ça de façon très directe, mais ce que j'ai vécu et ce que je suis aujourd'hui, il se résume vraiment avec cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'à la fin de ta vie, qu'est-ce qui te reste en fait? Il te reste juste tes souvenirs et ce que tu as vécu. Et tu vas vivre en fait avec tes regrets, Donc chacun à son niveau, avec ses limites, avec ses peurs, avec ses contraintes, etc. Donc là, on n'est pas dans le jugement. C'est simplement d'accumuler, je trouve, un maximum de souvenirs, de vécu en fait. Alors ça peut très bien être lire un maximum de livres enfermés dans une bibliothèque. Mais de façon très, très, très basique, c'est vraiment moi ce qui m'anime et c'est comme ça que je considère. La réussite de la vie. Quand on dit réussir sa vie, pour moi, ça passe pas du tout par le financier ou quoi, même si ça aide, évidemment. Mais c'est vraiment, en tout cas, de plus en plus avec l'âge, c'est vraiment justement arriver à aller au bout de nos centres d'intérêt. Pour revenir sur cette expérience, moi, je me considère vraiment comme ultra privilégié parce que ça fait partie des grands accomplissements de ma vie, c'est-à-dire d'avoir vécu une aventure et de l'avoir transformée en ouvrage, d'avoir fait perdurer la mémoire de ce que j'ai vécu et d'avoir donné une voix à des gens qu'on n'entend jamais. Ça, pour moi, c'est une façon d'être droit dans ses bottes, d'être là. En tout cas, moi, je me sens bien en faisant ça, par exemple. Super. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Non. Est-ce que je leur ferais si c'était à refaire? Peut-être, oui. Très bonne question, j'y ai pensé. C'est une très bonne question parce que je ne sais pas si j'ai la réponse. D'accord, c'est génial. C'est une très bonne réponse. De ne pas dire j'en sais rien. Je trouve que c'est encore la meilleure réponse, peut-être. J'en sais rien, je crois que ça va être ma réponse. Ouais. 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 Parce que je crois que pour développer un tout petit peu, je crois que j'ai pu aller aussi loin dans cette aventure, aussi parce qu'il y a une grande part d'inconscience. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je pense que j'étais un petit peu inconscient aussi. J'étais plus jeune, j'étais pas forcément. Pris dans le mouvement. Ouais, j'étais pas aussi sage, j'étais, je, ouais.
Donc aujourd'hui, voilà, si tu me demandes si je le referais, je sais pas. J'étais jeune, ça fait que Voilà. 4 ans, hein. C'est facile de prendre sa Facilement, distance par hein. rapport à ce petit cervelet, il n'est pas si loin. Je repartirai à l'aventure, Ouais, ça c'est sûr. voilà. Mais peut-être sous une autre forme. Et la suite alors, justement? J'aime pas trop en parler parce que pour l'instant c'est à l'état d'embryon, mais De toute façon, c'est la suite absolument est. évident que tu es certainement encore en train d'écrire, hein, maintenant que ce soit pour toi ou à nouveau avec un Apparemment, je autre peux pas livre. le cacher. Non, non, mais non, attends, quand on a lu ce que tu faisais déjà il y a 10 ans, on voit que c'est quelqu'un qui aime écrire. Tu sors ceci qui est quand même déjà quelque chose, c'est pas une première écriture, quoi, c'est visible. Donc, Merci. ça va pas s'arrêter. C'est maintenant, publié ou pas, ça c'est à voir, mais. Oui, non, de toute façon, il ne faut pas écrire pour être publié, parce que sinon, on se met une contrainte, on se met de la pression pour rien. Et ça, c'est un autre débat, mais la publication aussi de ce qu'on écrit est soumise à beaucoup de hasard, de la chance. Enfin, c'est très, très compliqué. Mais je suis sur un projet d'écriture qui va retracer certaines choses que j'ai vécues au Maroc entre 25 et 30 ans, dans un style, une écriture. Très immersive, où je veux vraiment. Moi, c'est ce que j'aime lire et donc c'est ce que j'aime écrire. J'aime prendre le lecteur par la main et lui faire vivre vraiment comme s'il était avec moi ce que j'ai pu vivre. Voilà. Ouais. Moi, je veux dire, dans ton livre, c'est vrai que je n'aimais pas tous les jours où j'étais, mais j'ai pas pu le lâcher quand même, hein. Ah, bah, tu vois, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire sur ce livre qui est clairement une plongée en enfer. Hein, donc, forcément, on ne passe pas un bon moment, même si, voilà, mon objectif, c'était quand même qu'on. Comme tu viens de le dire, voilà, qu'on ne le lâche pas parce qu'on veut savoir quand même comment ça va C'est finir, très comment. étonnant comment on se sent après ce livre, c'est très très mélangé. Je trouve que ce côté-là, c'est très réussi, mais simplement, je crois que ce n'est pas une recherche d'effet de style, c'est le rendu, mais les sentiments après, on ne sait pas ce qu'on en pense, on n'est pas. Enfin, justement, le jugement n'est plus possible quelque part. Voilà, c'est dur de m'aider, moi je comprends qu'il ait fallu du temps. Ouais, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Parce que ça veut dire que quelque part, j'ai réussi un de mes objectifs qui est de retranscrire justement cette ambivalence d'émotions, de ce trop-plein de ce qu'on ressent en sortant de là. Et même aujourd'hui, même 4 ans après, c'est encore difficile de mettre les mots justes. Enfin, c'est pour ça que j'en ai fait un livre, parce qu'il faut bien 400 pages pour pouvoir expliquer tout ça, Pouvoir quoi. ne pas arriver à le dire. Bon, exactement. Ouais, Moi, j'aimais bien, tu avais dit un truc, là où l'espoir et la folie s'entremêlent, et puis je sais plus me relire, il est aisé de confondre un brave et un fou, c'est ça? c'est ça, Ouais. ouais. Ouais, elle est très forte, cette phrase-là. Hein. Je suis content que tu prennes cette phrase. Je me rappelle quand je l'ai écrite. Je l'ai pas trouvée, elle est venue toute seule, cette phrase. Ah ouais. Tu sais, quand tu écris, il y a des phrases que tu vas travailler, retravailler, etc., etc., et il y en a d'autres qui viennent comme ça. Je sais pas, j'ai même pas vraiment réfléchi, elle est sortie et je l'ai relue, je me dis en fait elle a toute sa place à cet endroit. Je vais la laisser telle quelle. Mais écoute, un grand, grand merci pour cette discussion. Merci à toi surtout et si je peux te faire un compliment à chaud parce qu'il faut pas garder les compliments pour soi. Et en même temps, en fait tu as vachement bien réussi à mener ta barque entre me faire avancer dans l'histoire sans qu'on se perde trop dans les détails. Tout en prenant du recul à chaque fois, tu vois. Dès le début, on a pris de la hauteur et on s'est servi de l'histoire pour avoir une discussion que j'ai trouvée, moi, très intéressante, quoi, sur. C'est ce que je cherche en tout cas, c'est d'essayer de voir mais quelle est l'intention aussi de ce livre. Ce livre, ce n'était pas l'intention de raconter vraiment cette histoire, c'est de raconter l'humain. Donc ça aurait été bête de parler que Beau ce de que la tu dis, parce végétation. que c'est ça que je voulais faire. Mais bon, si c'est moi qui le dis, ça fait prétentieux. C'est pas mon histoire exactement, c'est pas mon. C'est l'histoire de la complexité de l'homme, c'est ça moi qui m'intéresse. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de lire mon livre, de t'intéresser, de me dire dès le début, je ferai quelque chose que si j'apprécie, enfin, que si ça me parle, etc. Parce que et là, c'est agréable avec toi parce que on sent que tu as capté ce que je voulais dire. Dehors, bon, c'est un prétexte. Nous voici arrivés au bout de cette histoire vraiment particulière. Comme tu le sais, mon choix est en général de te mettre entre les oreilles des histoires qui t'envoient de l'air du large, des vents de sable, du blizzard ou des forêts impénétrables entre les oreilles.
Ici, je ne t'ai pas présenté cette forêt amazonienne qui fait rêver, mais toutes les zones d'ombre géographique et mentale dans lesquelles la réalité navigue. J'ai trouvé ce récit de Maël honnête et nuancé. Il a particulièrement bien rendu ces réalités humaines indissociables du devenir des forêts dans cette région du monde. Son livre ne m'avait pas laissé en paix, tant il rend bien nos contradictions. J'ai donc été très heureuse d'aller creuser cela avec lui dans cet entretien. Nous sommes tous susceptibles de succomber à la fièvre de l'or, même si, ou peut-être surtout, si on pense que cela ne nous arrivera pas à nous. Merci Maël pour cette conversation si profonde sur notre jungle mentale. Et merci d'avoir fourni quelques vidéos dont j'ai pu extraire quelques sons d'illustration pour habiller ton récit. Élégamment, j'espère. Si toi, auditeur, auditrice, volontaire, qui nous a suivis jusqu'ici, jusqu'au bout de l'aventure, tu veux poursuivre cette exploration en zone trouble, je te mets les références du livre de Maël, Bagman, dans les notes. Et je te mets comme toujours le lien de la page dédiée à Maël sur storylifique.com où tu retrouveras en plus des photos et vidéos pour mettre des images sur ce dont on a parlé. Dans le prochain épisode, je te propose de me suivre pour une discussion avec Annika Horn, la fille de Mike Horn, celui dont le nom est devenu synonyme d'aventure extrême. C'est une interview en présentiel car j'ai eu le plaisir de travailler avec elle fin août à Lausanne sur le projet Pangaea X. Je sais, je dis cela et pire, je pense cela de tous mes invités, mais j'ai adoré parler avec Annika, qui a vraiment une personnalité adorable, généreuse. Bref, j'ai hâte de te mettre notre discussion entre les oreilles. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylifique soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux, abonne-toi, parle-en à un ami, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci à toi pour ton écoute et à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode. À bientôt !